la table ronde, on a pu échanger sur un certain nombre de points, entre autres sur la question de la place justement des enseignements d'informatique. C'est vrai qu'on avait notre débat sur le fait de se dire c'est les mathématiciens qui vont prendre le lead, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, comment ça va s'intégrer aussi. Vous m'avez très justement aussi fait remarquer que c'était sûrement une formidable opportunité pour les mathématiques, donc vous allez aussi nous expliquer tout ça. Vous allez aussi revenir sur le terme du code en lui-même en disant c'est un crème. Voilà, aujourd'hui on n'invente rien, on réinvente puisque le code est pané d'hier et que tout ça remonte déjà à très très loin. Et puis j'aimerais bien, parce que dans la continuité aussi de ce qu'a pu présenter Jean-Yves Capule, c'est les questions du primaire. Et comment aussi, voilà, on voit bien que cette question autour des enjeux du primaire sont essentiels, alors sûrement pas spécialement pour être là aussi développer des informaticiens de primaire, mais au moins pour permettre de pouvoir là aussi accompagner, en fin de compte, moi ce que je qualifierais la créativité de chacun des élèves. On sait que l'informatique est aussi une formidable opportunité pour développer la créativité. Peut-être revenir sur votre première question qui était liée à l'usage du mot-code. Donc le mot-code a un intérêt, c'est qu'il nous rappelle qu'on est en train de parler de choses qui ont une profondeur historique assez importante. En général, on fait naître l'informatique en 1936, donc on va bientôt fêter dans 20 ans le centenaire de l'informatique, mais certains historiens font remonter les débuts de l'informatique à 1898, donc on est en train de parler non pas de nouvelles technologies, je crois qu'à chaque fois qu'on utilise le mot « nouvelle technologie », on a un présupposé qui est faux, mais d'une science et d'une technique qui sont anciennes, qui ont une assise assez solide, une assise conceptuelle assez solide, et qu'on a l'habitude d'enseigner, c'est-à-dire ça fait quand même plusieurs décennies qu'on enseigne l'informatique à l'université, et ça fait plusieurs décennies qu'on enseigne l'informatique dans d'autres pays européens, dans des pays émergents, dans beaucoup de pays du monde, en fait. Le mot-code est effectivement un peu surprenant, puisque ce que les historiens nous racontent, c'est que quand il y a eu les premiers ordinateurs, donc dans les années 40, on a commencé par appeler ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation des ordinateurs, on a appelé ça le code. Et petit à petit, au cours des années 50, ce mot a disparu au profit d'un mot qui conceptuellement explique mieux ce qu'est la programmation des ordinateurs, qui est le mot programmation. Il ne s'agit plus de s'exprimer dans un langage ésotérique, donc on pourrait appeler un code, mais il s'agit de s'exprimer dans un langage afin de programmer un ordinateur qui doit faire quelque chose de particulier. Bon, donc il y a quelque chose. Le mot n'est pas, à vrai dire, totalement disparu du vocabulaire des informaticiens. Il reste dans des expressions composées, en général, comme code source, code compilé, code mort, etc., souvent avec un adjectif. Mais il est assez surprenant de voir que ce mot code est revenu à la mode, et avec un grand nombre de néologismes, le coding, le codage, on ne sait pas très bien tout ce que cela signifie. Vraisemblablement, moi, je vois le mot code comme synonyme de programmation, et du coup, j'ai une attitude assez mitigée à l'égard de l'usage de ce mot. Parce qu'on ne peut pas réduire l'informatique à la programmation. Il y a dans l'informatique une richesse conceptuelle qui inclut, certes, le concept de programme, mais bien plus le concept de langage, le concept d'algorithme, le concept d'information, le concept de machine. Et donc, c'est un équilibre entre ces différents concepts qu'il est important de mettre en place si on veut un véritable enseignement d'informatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner le carbone, ou on ne peut pas enseigner la pipette. Ce qui est important, c'est d'enseigner la chimie, et enseigner la chimie, c'est un certain équilibre entre comprendre ce qu'est un élément chimique, comprendre ce qu'est une molécule, comprendre ce qu'est une réaction, etc. Donc on ne peut pas se focaliser sur un des points. Et je pense que plus on s'adresse à des élèves jeunes, plus cet équilibre est important. C'est-à-dire, effectivement, en deuxième année de master, on peut se spécialiser. Mais quand on parle d'enfants plus jeunes, d'enfants qui sont au primaire, d'enfants qui sont au collège, c'est important de leur montrer une espèce de palette de ce qu'est l'informatique qui soit relativement exhaustive, on ne peut pas tout leur montrer bien entendu, mais pour qu'ils aient une idée un peu globale de ce qu'est l'informatique. Donc réduire l'informatique au code, c'est dangereux. En même temps, il faut reconnaître que apprendre à programmer est une chose extrêmement importante en informatique. Alors pourquoi ? Parce que apprendre à programmer, c'est apprendre à devenir autonome, c'est apprendre à devenir créatif, c'est apprendre à faire quelque chose par soi-même. Donc vous pouvez tout à fait faire un cours d'algorithmique sans programmer, sans toucher un ordinateur, sans mettre les élèves en activité, sans leur demander de faire des choses par eux-mêmes,
Et vous arrivez à un discours qui est très, très ennuyeux, très, très regrettable, où vous dites, voilà, on va vous présenter un algorithme. Donc, par exemple, un algorithme de chiffrement d'un message. Alors, il y a des algorithmes de chiffrement de messages qui sont très, très anciens. Par exemple, Jules César décalait toutes les lettres de l'alphabet de trois places. Donc le A devenait D, le B devenait E, etc. Donc il faut faire attention, parce qu'en latin, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de W, il n'y a pas de V, enfin, il n'y a pas de J. Mais mis à part le fait qu'il n'y a que 23 lettres et non 26 en latin, vous voyez comment on peut coder un message et le décoder. Quand vous expliquez ça, il y a cette méthode pour coder des messages. Elle n'est pas terrible, hein, elle est facile à casser. Il y a d'autres méthodes beaucoup plus sophistiquées. Et quand vous expliquez ça à des élèves, vous pouvez le faire en fait dès qu'ils savent écrire, dès qu'ils connaissent l'alphabet. Ben, vous avez deux types d'élèves. Vous avez les élèves à qui vous n'avez pas appris à programmer. Et vous leur dites, voilà, on vous a expliqué un algorithme de chiffrement. Maintenant, les informaticiens utilisent ce genre d'algorithme pour chiffrer et déchiffrer des messages. Et puis vous avez une deuxième démarche pédagogique qui consiste à dire, bon voilà, maintenant on a vu comment ça marche, on va le faire soi-même, on va soi-même coder des messages, on va soi-même les décoder, et on va mettre la main à la pâte et on va comprendre les choses en les faisant. Et donc il est extrêmement important que l'apprentissage de la programmation soit relativement précoce, parce que tant qu'on n'entre pas tant qu'on n'acquiert pas cette compétence de programmation, eh bien, on met les élèves dans une situation passive, dans une situation de subir le monde dans lequel ils vivent, et c'est précisément le but inverse d'un enseignement d'informatique. Le but d'un enseignement d'informatique, c'est de leur montrer qu'eux aussi, dans ce monde qui est essentiellement informatisé, autour de nous, il y a un nombre d'ordinateurs et d'objets qui calculent qui est extrêmement important. On passe l'essentiel de sa vie à moins de 10 cm d'un ordinateur. C'est-à-dire, pour peu que vous ayez une montre à quartz, pour peu que vous ayez un téléphone portable, eh bien, les rares moments où vous êtes à, mettons, 10 mètres d'un ordinateur, c'est vraisemblablement quand vous êtes à la plage, si vous avez laissé votre téléphone dans votre sac et que vous avez nagé 10 mètres dans l'eau et que vous n'avez pas pris une montre étanche avec vous, là, vous êtes à 10 mètres d'un ordinateur. Mais si vous avez, effectivement, un pacemaker, si vous avez... Vous êtes tout le temps en contact avec ces objets. Et ce qui est important, c'est de cesser de dire aux élèves, on va apprendre à les utiliser, on va être des consommateurs, on va être des victimes passives d'un monde qui nous dépasse, qui nous fait peur, mais on va contribuer à créer ce monde. Et je crois que c'est quelque chose que, pour certains, il est déjà trop tard. L'école a deux fonctions, essentiellement. La première, c'est de partager avec les élèves un bien qui leur revient, qui est une part de cet héritage commun d'humanité qui est la connaissance. Et une deuxième fonction qui est de les préparer à avoir un métier. Et donc à chaque fois qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné, on peut se dire, voilà, est-ce que c'est une part de cet héritage commun de la connaissance qu'on veut partager avec les élèves? Est-ce que ça va les préparer à avoir un métier? Et bien souvent, quand on parle d'enseignement d'informatique, on se dit, les métiers auxquels on pense, c'est les métiers d'informaticien. Donc on se dit qu'il faudrait plus d'ingénieurs en informatique. Alors c'est vrai qu'on n'en trouve pas, donc on peut dire qu'il en faut plus. Mais ça, c'est un petit peu voir le problème par le petit bout de la lorgnette, parce que prenons un métier comme le métier d'hôtelier. Okay. En gros, les hôteliers sont en train de disparaître, et on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est être hôtelier? C'est effectivement échanger un certain service avec des clients, mais c'est beaucoup échanger de l'information avec les clients. Parce que si les clients ne savent pas que votre hôtel existe, si les clients ne peuvent pas réserver une chambre dans votre hôtel, tout ça c'est de l'échange d'informations, il y a juste pour ne pas faire votre métier d'hôtelier. Et les hôteliers français n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient eux-mêmes développer des outils pour permettre à leurs clients de réserver une chambre dans leur hôtel, pour eux-mêmes développer des outils pour faire connaître l'existence de leur hôtel. Et ils se sont dit, comme beaucoup de victimes, ils se sont dit, bon, on va laisser d'autres le faire, et quand d'autres l'auront fait, nous allons juste utiliser les outils qui ont été développés par d'autres. Il y a des ingénieurs, on les paye pour faire des outils, ensuite on les utilise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que certaines personnes ont développé ces outils, ces objets, et ces personnes ne les ont pas du tout donnés ou vendus aux hôteliers. Elles les ont gardés pour eux, pour faire le métier des hôteliers à leur place. Et aujourd'hui, une compagnie qui gère un site web de réservation d'hôtels en ligne, eh bien, récupère 30% du prix que vous payez votre chambre d'hôtel. Et comme cette entreprise n'est pas française, parce que les hôteliers n'auraient
pas fallu les former à l'informatique aujourd'hui, il aurait fallu les former il y a 20 ans, et il y a 20 ans qu'on ne l'a pas fait, eh bien aujourd'hui, les hôteliers sont assujettis à une entreprise qui leur pompe un tiers de leurs revenus. Alors, il est vraisemblable que pour les hôteliers, c'est foutu, même si on enseigne aujourd'hui l'informatique, il leur faudra peut-être un demi-siècle ou peut-être deux ou trois décennies pour arriver à inverser cette situation et à redevenir eux-mêmes acteurs de leur propre métier, acteurs de leur propre vie, co-développeurs du monde numérique dans lequel on vit. Il faut qu'ils attendent en gros la prochaine révolution technique, et à ce moment-là, peut-être qu'ils pourront prendre une place. Mais pour cette révolution technique-là, qui est la réservation en ligne, c'est terminé. En revanche, il reste d'autres métiers qu'on peut peut-être sauver, et je crois que c'est là l'enjeu profond de l'enseignement d'informatique.